Yo les gars, on se retrouve pour le 17ème épisode sur Zelda Tears of the Kingdom. Du coup, on vient d'effectuer le 3ème donjon, il nous en reste plus qu'un. Là, on va se concentrer vite fait sur le village de Kokoriko. Du coup, si t'aimes le let's play, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à venir t'abonner à la chaîne YouTube. Allez les gars, c'est parti, let's go! Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est là-bas. C'est là-bas que ça m'intéresse. D'ailleurs, je crois que... Comment il va, Leto? Ok, j'avais pas vu, il y a un petit sang cul ici. Ouais, ça va bien, hein, ça va bien. Ok. Je crois que c'est par là qu'il fallait que j'aille d'ailleurs. À la base des bases. Ok. Non mais c'est pas là du coup. Ah, examiner. Ok. Bon, on découvre les gars. Je sais qu'il fallait que je fasse un truc par ici, mais j'avais pas une quête précise, juste fallait que je retrouve des PNJ, je crois. Il me semble. Hein. C'est chaud, les alliés ont du miel, pas besoin des oies. Ah, c'est... c'est Valo, quoi. Et là-bas, il y a un sang cul, j'ai vu. J'ai fait le sang cul. Il a l'air d'être bien coloré. Wow. J'ai failli faire une dingue, là. Ok. Ok. Ah ouais, non mais ça on s'en fiche, non? Ok. Ok, on va y voir Corinne du coup.
Mais avant d'aller voir Coco... On va s'occuper du sanctuaire de Makasula. Hop, allez, let's go les gars. Du coup les gars, programme de ce soir pour ceux qui veulent du GTA, du Valo. Donc à 20h30, on va commencer sur GTA les gars. Ensuite, en plus on a un Defcon 2 hein, sur GTA là, donc ça va péter. Et ensuite Valo les gars, ceux qui se relèvent. Ok. Ok, on analyse les alentours. Ok. Très bien. Vers quelle heure, Valo? Ah, minuit et demi, une heure, comme d'hab. Hein. Valo, c'est toujours ses horaires, les gars. Hein. Sachez-le. Hein. Attends, je pense qu'il y a un délire là. Ok. Hop so. Ok. Attends, je l'avais pas vu lui. Je l'avais pas vu lui. Mais, oh c'est chiant. Donne-moi des flèches gros.
Terrible. Hein. Comment je suis... Ah mais non mais je suis con, mais putain, mais vas-y, mais pourquoi je bataille pour... Merde, pardon. Les gars, je bataille des fois pour rien. Je vous jure. C'est trop les fois. Je galère pour rien les gars. Par contre, on va avoir un problème, je vous le dis. Est-ce que on peut jeter un truc dedans? Et ça marche? C'est une question ça. Ce n'est peut-être pas ça. Attendez les gars, j'ai peut-être... Oh, c'est ça. Allez. Ah par contre, on va avoir un problème. Bah, allez, on va essayer. Hein. Parfait. Parfait. Putain, on a du cœur là, les gars. On va prendre un peu d'endurance, je pense, encore. Je pense que ça peut être pas mal, l'endu. Ah, allez où Coco? Elle est où la Corinne? Ah. Normalement elle était censée être là la Coco hein. Ouais waouh.
Oh non. Ah ouais. Ah, mais j'avais pas vu les gars quand même. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charmante. Pour repartir à la conquête. Bon allez. Ah, y'a pas de coco en vue les gars, je vous le dis. Oh lune, couleur de sang. Lorsque de ta lumière. Elle est où Coco là? Il n'y avait pas une Corinne là? Attends, on va lire le journal. Dans un sens, je pense qu'il faut l'appareil photo. J'ai pas d'appareil photo. Allez, go. Et normalement, on peut faire deux tours ou pas? C'est toi qu'on a vu plus tout à l'heure, non? Ah. Oh. Ok. Ah. Ok. Bon, on va aller la voir. Hein. Allez, Link. Messire Link, tout à fait, j'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. Et voilà, on a découvert Paya. Bat ce soir, et non Nail, putain, on vient de me prévenir qu'il y a pas. Casse les bonbons. C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous deux sains et saufs sur la terre. En plus, j'ai commencé de stream, enfin, je me suis organisé pour le battre, tu vois, et du coup, bah, tant pis, hein. Comment ? Son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée ? Voilà qui est étrange, je suis pourtant sûr de l'avoir rencontré. Ça s'est passé juste après le cataclysme. Son Altesse Zelda était venue au village de Kokoriko. Elle a ordonné de laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant au-dessus de nous sans aucun prétexte.
Alors voilà, je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son Altesse. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que sur la tête Zelda n'a pas été retrouvée, je ne peux pourtant que vous croire, Messire Link. Oh, toutes mes excuses, Messire Link. J'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Toro. Il dirige le groupe d'archéologie à Sonao. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur les villages et ses alentours. Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Toro fait... Par contre, faut qu'ils arrêtent avec les bruitages, hein, vraiment. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao. C'est quelqu'un de très talentueux. Toro, chef du groupe d'archéologie. Vas-y, dis à ton coach de faire du squat, super progresser. Ou t'as mettre minable au cardio et t'amuser. Ouais, mais bon, là, le coach de base, c'était pas pour le travail, tu vois. C'était vraiment loisir. Hein. Ce vestige circulaire flottant dans les airs dont on nous a interdit l'accès est unique au village de Cocorico. C'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant ces mêmes formes circulaires sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute. Mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacun d'elles. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. Ok. À mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village referme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Seulement, je ne peux quand même pas désobéir à un ordre direct de Dame Zelda et étudier ce vestige comme si de rien n'était. Si au moins je pouvais la rencontrer à nouveau pour la convaincre de revenir sur sa décision. D'ailleurs, après ce que tu nous as raconté, Link, une chose m'intrigue. Si la princesse en est sortie saine et sauve, pourquoi ne se présente-t-elle pas simplement à nous? Son attelle Zelda a certainement une bonne raison. Tant que nous ne saurons pas clairement ses intentions, nous devons respecter sa décision et rester à l'écart de ce vestige. Ok. Je pense que moi je vais y aller par contre sur le vestige. Hein. Pas te mentir frérot. Je vais pas... Attends, on va faire plus simple les gars. Ouais, ça va partir de là les gars. On va y aller au vestige, nous, mon ami. Mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non. Ok. Par contre. Les petites merdes là. Il est où le vestige qui vole là? Je comprends pas. Mais attends, mais lui, il vole pas, lui. Le seul vestige qui vole, là, actuellement, c'est lui. Moi, à côté, je suis encore sur PS4. T'as vu Dave s'est fait config de ta... Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu, ouais.
Ouais, et bah écoute, ouais. On va aller voir. Voilà, tiens Link, tu es venu. C'est ta curiosité qui t'a mené jusqu'à moi, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Tu es vraiment impayable. C'est moi, Liseron, l'archéologue spécialisé en Irulien ancien que tu as rencontré au fort de guerre. Est-ce que ceci t'intrigue, Link? De ouf. Oh. C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au fort de guerre. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents Iruliens anciens que j'avais entreposés ici au laboratoire. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et dame Zelda. Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur Strestel. Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Raoru et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Hyrule. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13... Ah. Ok. Ok. Oh. Ok. Oh. Par contre, il me faudrait des appareils photo, moi. Ok. Ok. Mais j'ai pas de photos, les gars, par contre, genre. Ok. Vas-y, on va repartir tout par de là, les gars. On va aller voir. Par contre, ceci dit, comment on fait pour avoir l'appareil photo? Ah ouais, d'accord. Ok. On va essayer de débloquer la tour là-bas. Eh, ça pète d'avoir de l'endurance, les gars, je vous jure que c'est trop bien. Vraiment? Ça, ça pue le truc qui va se relever, ça. Ah.
Ça pue le truc qui va se relever, ça. Voilà. Bon, on essaie de faire un max, les gars. Parfait. Ah. Ok, il manque de l'électricité du coup. J'ai rien, les gars. Merde. J'ai tellement rien, les gars, c'est terrible. Il faut des bombes, les gars, il me faut des bombes. Putain. Problème, les gars, c'est que j'ai pas de bombes là. Ching. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, bah attends, je sais ce qu'on va faire déjà, ouais, pardon. On va récupérer cet appareil photo, là. Bah ouais. Ah oui, les gars, c'est important là. Et après, faut qu'on trouve une putain de fée là. Faut qu'on améliore notre stuff. Je sais qu'il y en a une à Cocorico, mais alors. Non, peut-être elle a bougé en vrai. Elle a peut-être bougé. Et ouais, faut qu'on trouve une fée, les gars. Voilà. Allez, on va aller faire l'appareil photo, les gars. Explorer les profondeurs. Ok. Vas-y, les gars, on va peut-être aider. Ok. Josha, responsable des fouilles souterraines. Ah mais c'est ce qu'on va faire, les gars.
A-t-elle un truc ramené profondeur de la terre? Ok. Tu vas utiliser la tablette frère pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ensuite, avec l'appareil photo, tu vas en capturer une image que tu montreras à Joshua. C'est sympa. Ouais, très bien. Bon, bah voilà, on a l'appareil photo, les gars. Putain, mais on est. Je vais t'apprendre à t'en servir de ce passe, suis-moi. Les profondeurs rongent de monstres, alors je compte sur toi pour me faire office de garde du corps au passage. Ok. Ok. Bah voilà, hein, les gars, on va dans les abîmes, les gars, direct. Hein. Normalement, c'était une quête que j'aurais dû faire vers le début, je pense, ouais. Oui. Graine Lumos. Merci. Ok. Oui, oui. Merde. Ah, c'est parti, la quête principale en plus. Oh vas-y. Calme-toi, ma belle. Allez, go. Les lieux indiqués sur toutes les... Ok. Ah ok, c'est ici en gros les... Ok. D'accord, ok. Ah. Oh. Ah. Ok. Alors attendez. Elles sont les graines Lumos là. C'est sûr que c'est un sanctuaire, les gars, non? Ou alors, c'est quoi? Un sanctuaire, les gars.
Ah, c'est une TP? Ah ouais, c'est ok. Ok. Carré, les gars. Carré. Ok. Trop bien. Ah, c'est pour ça qu'il faut que je ouvre les yeux en fait. Parce qu'il y a ça par terre et... Oh, j'aime bien en vrai l'histoire des profondeurs là. Ok. Ah, il y a des monstres là par contre. Je suis un peu moins fan là. Ah oui. Champi fumigène. Ok. Ok, il est là le collègue. Et j'aime bien hein, au final. J'ai une sacrée quantité de lumière, dis donc. C'est très agréable. Je pense qu'on a la place qu'à la surface. C'est peut-être simplement mon imagination, mais j'ai l'impression qu'elle me donne de l'énergie. Ok. Ah, t'es voilà, j'ai failli attendre. Je veux te montrer quelque chose. Je te suis, BG. Une silhouette dressée sur ses deux jambes. Ah! Ok, ouais. Les photos et l'ancien lien sont verrouillés. Donne-moi une petite minute. Si je me souviens bien, je dois appuyer sur ça. Ok. Et bah voilà, les gars. Putain de merde. Et voilà! Désormais, tu devrais pouvoir utiliser l'appareil photo et l'encyclopédie. Daryl va donc prendre une photographie de la statue humanoïde. Ça permet de tester ses fonctionnalités. Merde, mais oui. Ok. Putain, en vrai, le jeu il regorge de trucs là. Ok. Ok, bon, on va continuer la quête, les gars. Et après, nous, on sait que. On sait. On sait comment ça fonctionne. On sait qu'on a des TP. C'est trop bien. Trop bien. Vraiment, on découvre pas mal de petits endroits. Parfait ça. Et le jeune voilà, t'es donc revenu. Montre à Joshua. À Joshua pardon l'image. Et bah vas-y regarde.
Ça va, frère. Oui. Ok. Et maintenant, vu qu'on a l'appareil photo, les gars. Sonium. Allez, let's go. Allez. Ça dégage. Et vu qu'on a terminé ça, les gars, on va aller faire la petite quête. On va faire la petite quête Gerudo, les gars. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. Merde. Il y a tellement de trucs déjà encore, non? Terrible. Ok. Ok. Ah oui, d'accord, il y a oui. Merde. Merde. Ok. Ok. Ça me plaît ce truc là-haut qui brille. Ça me plaît. Ok.
Bah ouais les gars, je sais, mais bon. Ah ouais, donc en fait non, ça veut pas, non? Ok, donc là il y a des fleurs bombes. Il y a full fleurs. Ah non, il n'y a pas full en fait. Il n'y a pas full. Non, non, oh, le mauvais timing, les gars. Ah, c'est pas grave, les gars, on recommence. Ça va. Pas la mort. Ah, je sais, je sais, je sais, je sais. I know, baby. Alors, je sais ce qu'il faut faire, les gars. Normalement, je dis pas de bêtises. Bah, alors, je sais pas pourquoi. Allô, ma petite. Oh, ok. Mais alors pourquoi? Je sais pas. Attendez les gars, je vais voir ce qui s'est débloqué là. Ok, j'ai capté. J'ai capté les gars. Attends. Il y a un autre truc là. Mon ami. Allez, on va aller voir ce qui se passe. On va voir ce qui se trame là-dedans. Thank you.
Bon, faudra que je voie à quoi ça sert ces cristals, les gars. Mais là, il va y avoir un bail, les gars. Il va y avoir un bail. Ah. Ça prend pas pour un con. Ça sert pas à rien. Ça. J'espère que ça sert à quelque chose ce que je suis en train de faire, les gars. Ça se trouve, ça sert strictement à R, les gars. Non, j'y crois pas, les gars. Il y a bien un intérêt à tout ça. Il est où le fruit du feu là? On va accrocher un petit fruit du feu là. Putain de merde. Eh bé. Très bien. Allez, donne-moi ça. Waouh. Pas mal, ça. Ouais, bah ça. Hein. Et ça, du coup, il y a quoi là-dedans? Des fois, je trouve... Bon, on va rien dire. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Après, je sais pas combien ce que ça vaut en vrai le topaz. Pas trop, j'ai pas trop checké quoi. Wow.
Ok. Très bien. C'est ouf, mais... Ok. Maintenant on monte. Oh mais il y a fou le truc les gars. Oh, c'est un régal par contre. Ok. Et voilà, on arrive à la sortie, les gars. Mais ceci dit, les gars, attendez, parce que du coup, en vrai, ça m'intéresse pas trop. Enfin, c'est bien, c'est très bien ce qui vient de se passer, mais... Mais ce qui m'intéresse, là, maintenant... C'est les fameuses statues. Attends. Eh ouais. On est dans le désert, les gars. Ok. Ok, bon. Ok, là on en vient. Là on en vient les gars. Donc là c'est fait. J'ai l'impression que c'est un petit monument, mais... Ouais. Ah. Ok, je sais. Ok. Donc là on en a deux les gars. Ok, c'est les stèles hein, de toute façon. Ah, oula. Ok.
Allez, plus qu'une. Et elle est évidemment ici. Du coup, il va falloir que je trouve un moyen d'y accéder en mettant des caisses, je pense. Petite dernière caisse peut-être. Ok. Bon, faut que je trouve celle de là. Faut que j'arrive à. Bon, je sais où il est le dernier, ma petite, hein, mais bon. Le problème, c'est que c'est un endroit où. Flou un peu pour y accéder. Bon, vas-y, il faut que je trouve encore une caisse, c'est sûr. Allez. Pas bataille, les gars, on va y aller. Hein. Bah voilà. En plus, il est en prison, en fait, j'avais pas capté, frère. Mais... Des fois les gars ça meurt. Bon, je sais qu'elle est là les gars, ça y a pas de problème. Mais pourquoi il veut pas monter les gars? Je comprends pas, des fois il veut monter.
Ok, bah j'aimerais bien. Bon. Ok, donc là c'est bien ça. Ok. Très bien. Désolé madame. Désolé ma petite dame. Et voilà ma petite dame, cadeau. Ah, ok. Ok, alors attendez, j'ai capté les gars. Il y a un endroit les gars où... Attendez, attendez, attendez. Attends, je vais regarder où c'est parce qu'on va pas se balader avec ça toute la soirée. Ok, c'est là. Et ouais, du coup, ok. Et ouais. Ok, let's go. Là, c'est la goutte de feu. Ok, ça doit être ça. Ok. Ok.
Ok. Ouais, donc il faut tout rassembler, les gars. Ok. Bon. Ça m'a l'air quand même assez... assez compliqué, hein. Qu'est-ce qui se passe, ma petite? Allez, on va aller faire la... J'ai des armes? Bon, vite fait, moi aussi. Et quelques-unes quand même. Allez, go. On va essayer de vaincre l'autre truc là. Je vais jeter des trucs, les gars, on va voir si ça marche. J'ai beaucoup de trucs, les gars. C'est dur là. Ah ouais, non mais ça va être chaud, les gars, là, non? Bon, les gars, allez, ce qu'on va faire, les gars, de toute façon, c'est que ça va être l'heure de clôturer l'épisode numéro 17, dans tous les cas. Du coup, bah, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et dans tous les cas, nous, on se revoit très bientôt pour l'épisode numéro 18.
Merci d'avoir regardé les gars. Ciao, ciao, ciao.